Ah, Mimi de Mandaril. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pas vraiment spéciale, mais elle est sur un thème un peu spécial, puisqu'on va visiter une île sur le thème d'Halloween. Donc, on arrive tout petit doucement dans la période d'Halloween, même si on n'y est pas tout à fait et que perso, ça me saoule quand il y a des décorations d'Halloween dans les magasins 4 mois avant. Mais bref. Chez moi, il fait dégueu, il pleut toute la journée, il y a de l'orage d'ailleurs. Si vous entendez de l'orage dans la vidéo, je m'en excuse, mais au pire, ça rajoutera de l'ambiance. Du coup, je suis dans un mood où je veux me sentir à Halloween. Surtout que je fête pas Halloween parce que chez moi, il y a quasiment personne qui le fête. Et donc c'est un peu nul de le fêter tout seul. Mais j'ai envie de me mettre dans l'ambiance là, donc je vais faire ça avec vous. Et si vous êtes un peu sur Instagram, que vous suivez quelques personnes, vous connaissez peut-être la créatrice de cette île, qui n'est autre que MyAnimalCNH. Si vous ne connaissez pas, je mettrai tous ses réseaux dans la barre d'infos. Je vous mettrai aussi son code onirique à l'écran pour que vous puissiez visiter l'île vous-même, si ça vous tente. Ah, j'ai trop hâte. J'étais déjà habillée en petite sorcière en plus, c'était pas fait exprès, c'était ma tenue normale. Surtout qu'il y aura peut-être des vêtements à l'entrée de l'île. Je ne sais pas. Ah, c'est mis en pleine journée et je m'étais dit que le rêve serait peut-être enregistré sur la nuit du coup. Mais c'est déjà trop beau, j'adore les... Oula, je voulais pas rouler. Mais j'adore les couleurs. Bon. Morticia. Trop cool. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est trop mignon! Mais j'aime trop! Je vais peut-être enlever mon sac. Ah, ça rend trop bien comme ça! J'aime trop. Bon. Jetons un œil à sa carte. C'est quoi cette parcelle vide? Ah ouais, elle a que 9 habitants. Je me demande si c'est en construction encore. Je ne sais pas. Mais ça a l'air quand même plutôt bien rempli. Je m'en remets pas de ma tenue, c'est beaucoup trop mignon. Ah, mais on est directement, ok. Ah, la mairie est super proche. Oh, moi qui me plains que ma mairie soit aussi proche de l'entrée. Là, c'est encore pire. Mais en vrai, ça va, elle a su faire un truc grave sympa. Bon, on va partir par là, du coup. J'ai l'impression que ça lag un petit peu, mais c'est très possible que ce soit à cause de l'enregistrement. Trop mignon. Oh, les gâteaux là, ils sont incroyables. Essayez de se faire. Oups. Je voulais faire une photo. Les gâteaux de lune là, ils sont trop beaux. J'aime bien utiliser l'appareil photo pour zoomer sur des détails. Parce que, n'empêche, les textures de ce jeu, elles sont incroyables. Elle mérite d'être vue de plus près quand même. Des citrouilles partout, évidemment.
Et je vois qu'elle a autant d'inspiration que moi pour ses plages, c'est-à-dire aucune. Oh, les champs de citrouille, c'est quand même. C'est sous-coté, je trouve. Oh, j'espère qu'on aura de nouveaux légumes à planter. Mais bon, je ne veux pas trop me faire d'espoir non plus. Trop joli. Je vais retirer la carte. Comme ça, on voit un petit peu mieux. Oh, ce point de vue est incroyable. Oh, c'est écrit en espagnol. Oh, je savais pas qu'elle était espagnole. Et je savais pas non plus que dans le jeu, le rêve se mettait à jour avec la langue de où vous jouez. Moi, je savais pas du tout. Hermanas Manitas. Non, mon accent horrible. Mais vraiment, cette devanture est trop belle. Avec l'arche devant. Ça rend trop bien. Elle a prolongé le bâtiment avec des panneaux, enfin des cloisons plutôt. C'est une grave bonne idée. Oh là là. Je suis trop fan des places comme ça. Dans la vidéo où j'avais fait le tour de l'île de Marron, il y avait beaucoup d'endroits comme ça, avec un gros meuble au milieu, et puis des chemins sur les côtés. Et j'adore, ça remplit tellement bien l'espace, et puis ça peut être tellement joli. Je pense qu'on visitera les maisons plus tard, s'il y en a plusieurs. Oh, il y a quatre maisons. Je pense que c'est ce qu'on visitera en tout dernier. Ici, ça a l'air d'être comme un coin résidentiel. Avec le camping. Ah, c'est pas bête ça, les lampadaires au milieu. C'est vraiment malin. Et l'autre magasin ici. Je pense que je suis pas allée tout au fond. Bah, aller voir là au-dessus. Bah, il y a juste une maison. C'est la maison de qui ici? Ketchup. Elle est trop belle sa maison. Oh, mais j'adore les chemins séparés en deux comme ça. J'ai jamais vraiment pensé à faire ça. Oh, c'est trop bien. Avec le four qui fume là, c'est trop cool. La fumée comme ça fait vraiment un petit détail qui change tout. C'est quoi ça? Un sac d'anémone. Ah, il est à l'envers. Oh, mais c'est trop malin. Je vous remettrai une image de comment il était avant parce que je peux plus le remettre du coup. Mais c'est trop intelligent. Je vais le remettre comme ça. J'avais même jamais vu, je crois, un sachet de fleurs à l'envers. Ça m'a jamais traversé l'esprit. Mais...
ça rend trop bien. J'ai arrêté de dire ça rend trop bien, ou c'est incroyable, ou c'est trop beau, parce que je dis tout le temps les mêmes trucs. Mais en même temps, je dis ce qui me passe par la tête, quoi, genre, je suis fascinée. C'est tellement joli et bien fait. Ici, je pense qu'il n'y a rien. Ouais, il y a des phares là-bas au fond. On va repartir sur la droite de l'île parce que je pense que j'ai encore rien vu de ce côté-là. Waouh! Cette maison-là, elle est impressionnante. C'est trop bien, encore une fois, de prolonger les bâtiments comme ça. Après, c'est pas la première à le faire, mais je sais pas, je trouve qu'elle l'a super bien fait. Et c'est même pas tellement choquant, quoi. Genre, les motifs vont super bien avec sa maison. Et même si on voit que c'est des cloisons, bah. Je veux dire, ça choque pas, quoi. Petite sirène d'amour. Il y a quand même deux, trois petits objets perdus comme ça. C'est rigolo. Si on a un petit coin où se reposer. C'est celle qu'on a vue tout à l'heure, ça, ou c'est quelqu'un d'autre? Ah non, Jacqueline. Ah ouais, c'est jeu de mots. Et Jack. Ah, c'est pour prendre le train. Moi aussi, j'avais utilisé les tickets de Sarah pour faire comme des tickets de train. Je trouve ça trop rigolo. Et alors, on a le chemin de fer. Oh, avec ça! C'est tellement intelligent. Mais attendez, il en a mis combien? Comment il s'appelle cet item? C'est genre la calèche citrouille. Mais j'ai envie de voir combien il en a mis. Il doit y en avoir deux ou trois. C'est un détail super cool. C'est aussi, j'aime trop les ponts. Avec une belle vue derrière. Oh, avec la lune. Ça n'empêche la nuit. Ça doit être magnifique. Oh. Je suis obligée de faire une photo là. Je vais attendre que Irène parte. Oh, j'adore. Ah, ici, on a la suite des habitants. Ça, c'est la maison de Ramsès, ça. Je la reconnais. Oh, un cimetière. Ouais, ça paraît logique. C'est tellement bien fait. C'est ça que j'adore en fait. Elle fait des choses qui sont pas basiques, mais je veux dire, enfin moi aussi j'ai déjà fait un cimetière sur mon île. Mais elle le fait tellement bien, tellement mieux. Et ici on a, on dirait un sanctuaire pour prier la Sainte Citrouille. Waouh! Oh, ça c'est impressionnant! Vraiment les points de vue comme ça. Ça avec une Switch qui est hackée et qui peut faire des photos en grands angles comme ça. Ça doit être mais hallucinant, genre vraiment.
Du coup, j'ai hâte de visiter les maisons. Ça va peut-être prendre un peu de temps, mais vu les décorations extérieures. Après, ça veut rien dire. Il y a des gens qui sont doués en décoration extérieure et pas du tout en décoration intérieure. Mais franchement, ça m'intrigue du coup, j'ai envie de voir. Mais comment est-ce qu'on fait pour aller tout au fond? Ah, il y a un escalier. Mais j'aime beaucoup la facilité de se déplacer sur son île en fait. Bah, ça, c'est un peu l'avantage des îles urbaines où on fait des rues, c'est que c'est très facile de bouger et de se repérer, quoi. Ah, ça, on n'a pas vu. Ah oui, donc c'est fait exprès. Les arbres. Oh, j'adore. Avec toutes les feuilles, enfin les herbes. C'est trop cool. Oh, tous les arbres là. Ça ajoute vraiment quelque chose de particulier. Mais en tout cas, c'est réussi. Et du coup, là, si je comprends bien, c'est pas possible d'aller derrière la maison. Bah écoutez, je pense qu'on va commencer à visiter les maisons. Donc là, vu qu'on est devant celle de Jack, on va visiter celle de Jack. Oh! J'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur. Je suis un bébé. Pourquoi j'ai eu peur d'une tête alors que c'est exactement la même tête que je porte? Oh. Mais en fait, je pense que je m'attendais juste pas à voir ça. Je m'attendais à voir, je sais pas, un salon. Une pièce normale, quoi. Du coup, si je comprends bien, les autres pièces ne sont pas décorées. Et à mon avis, elle a dû upgrade toutes ses maisons. Juste pour qu'elles soient toutes impressionnantes, quoi, que ça fasse un peu comme des manoirs. Mais peut-être que les étages seront aménagés. Non. Mais oui, du coup, ça aurait peut-être été chouette qu'elle bloque l'accès en fait, mais peut-être que ça rendait moins bien. Je sais pas. Et du coup, il n'y a pas de sous-sol. Mais en soi, ça a quand même eu son effet parce que il n'y avait pas beaucoup d'objets. Et j'ai quand même réussi à avoir peur. Donc bon. Ah. Celle-là, si je me trompe pas, c'est celle Marina. Ouais. Donc, c'est la maison de la maîtresse de l'île. Ah, bah voilà un salon. Moi, je m'attendais à voir ce genre de pièces dans l'autre maison. Oh, j'adore. Moi, les constructions que je préfère faire en intérieur, c'est ce genre de construction-là. C'est vraiment genre des. D'ailleurs, c'est un motif ça par terre? À mon avis, c'est un motif parce qu'on n'a pas ça dans le jeu. Hein. Mais c'est trop intelligent. Bon, du coup, ce que je disais, c'est que les constructions que je préfère faire en intérieur, c'est ce genre de pièces hyper cosy, dans les tons chauds. Ah, oh, j'aime trop. Mais du coup, là, c'est un salon, cuisine, salle à manger. Du coup, je me demande ce qu'il y a dans les autres pièces. Ah, la salle de bain, ça paraît logique. Avec le verre de champagne et tout à côté de la baignoire.
crois, même les petites sandalettes là, elles sont raccord avec les bougies. Et le pommeau de douche, et le porte-serviette, et les pieds de la baignoire. Oh. Ça se voit que rien n'est fait au hasard en fait. C'est le genre de détail que j'aime trop. C'est comme la toile d'araignée là au-dessus. J'adore. Et le choix du papier peint aussi. Ce papier peint là, je l'aime trop. Je le trouve trop original et il y a tellement moyen de faire des chouettes choses avec. Comme ce genre de pièce. Oh, il y avait le CD de Kiki avec la tête de Jaco, j'avais pas vu. Non, oh, ça fait flipper. Mais l'ambiance avec les lanternes allumées comme ça. Oh, j'aime trop. C'est ça que je voulais en visitant cette île. C'est ce genre de petits détails là comme ça. C'est pour ça que je me dis que l'île doit être incroyable la nuit. Mais en même temps, je comprends qu'elle ait voulu sauvegarder son rêve en journée. Parce que tout est beaucoup plus orangé et ça rend sûrement mieux quand même. Jaco suprématie. J'aime vraiment trop les pièces comme ça. Vraiment à l'ancienne, enfin, j'adore. Peut-être quelque chose au sous-sol. Non plus. Pour ça, je me dis, c'est peut-être encore en construction de ce côté-là, parce que agrandir la maison pour avoir un sous-sol, je pense que ça apporte rien. Au niveau de l'extérieur de la maison, je veux dire. Ou alors, c'était peut-être pour agrandir son inventaire. Ce qui est très possible aussi. Alors, ces deux-là, on a fait. Il reste la maison de Jacqueline et de Morticia. Ah, et Marina, on l'a pas rencontrée, d'ailleurs. Coucou, Yanis. Alors, comme ça, c'est Fortnite. J'ai vu quelqu'un passer, mais je pense qu'on l'avait déjà vu. Je crois que c'était Morticia. Mais faut arrêter avec les pièces comme ça. Ah mais c'est... Pardon. Oh, ça me met tellement mal à l'aise. Les posters qui brillent dans le noir là. Les posters de... J'avais jamais vu que ça brillait. Puis que ça arrêtait de briller, puis que ça rebrillait. Oh, ça me met pas bien. Enfin, on se comprend, je suis pas en sueur non plus, mais... Oh, ça me met mal à l'aise. Mais c'est dire à quel point c'est bien fait, quoi. Oh, et vu comme ça, avec toutes les têtes... Oh. J'adore. Par contre, j'aimerais que mon perso s'en aille. Voilà. Va-t'en. Qu'on puisse profiter de cette scène-là. Je pourrais rester à regarder ça pendant des heures. Ça me perturbe et ça me fascine en même temps. Mais bon, on n'a pas le temps. Et du coup, là, comme les portes sont bloquées, je suppose qu'elle n'a pas non plus décoré les autres pièces. Il n'y a pas de sous-sol non plus. Oui, ça, c'était la maison de Morticia, du coup. Et celle de Jacqueline, elle est au-dessus.
Oh, j'adore, ça me donne tellement envie de faire une ville urbaine, enfin une île urbaine plutôt. Ça m'inspire tellement. En plus, ça fait un moment que je pense faire une île urbaine parce que bah, toutes mes îles étaient naturelles en fait, donc j'ai envie de changer un petit peu. Oh, ça, ce serait pas la robe de marron? Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais montré les designs. C'est rigolo de voir des petits détails comme ça, de reconnaître les robes des gens. Mais c'est marrant de faire un marché intérieur. C'est tellement intelligent. J'aurais jamais pensé à faire ça, moi. En plus, j'adore les pièces où il y a plein de trucs partout, de style marché. Genre moi, une de mes pièces préférées de ma maison, c'est le débarras dans la pièce de gauche. Parce que c'est vraiment fait exprès pour mettre plein de trucs mis n'importe comment et qui ont pas trop de sens. Enfin, vraiment comme ça, quoi. Enfin, même si là, ça a quand même du sens. Donc c'est un marché, donc il y a des étals avec des objets. Là, il y a une machine à écrire en mode, c'est une machine pour payer. Et les vêtements qu'elle a choisis, ça rend tellement bien. Ça fait vraiment une ambiance comme au Moyen-Âge, quoi. Genre petit marché en Angleterre dans les années 1800. Ça me mettrait presque la haine de pas être aussi douée. Alors que je suis la première à dire aux gens de pas se comparer aux autres. Mais c'est tellement bien. En plus, je crois que j'ai rarement été aussi fascinée par une île parmi toutes celles que j'ai visitées. Celle de Marron était vraiment incroyable. Genre, c'était hallucinant dans le sens où ça doit prendre une éternité et puis tout est fait dans le détail. Mais ici, c'est vraiment une ambiance qui me parle beaucoup plus. Enfin, je me reconnais beaucoup plus dans ce genre d'ambiance-là. J'aime tellement. J'ai pas envie de partir de l'île. C'est vraiment mes couleurs, c'est vraiment l'ambiance que j'aime. Puis je voulais vraiment faire une île urbaine chez moi, donc ça m'inspire de ouf. Mais je pense qu'on a fait le tour, du coup, je vais vérifier. Ouais, je pense qu'on a tout vu. Je vais aller me replacer à l'endroit que je préfère sur l'île, qui est cet endroit-là. Enfin, que je préfère. J'ai pas vraiment d'endroit préféré puisque toute l'île est juste incroyable. Donc, si je pouvais faire une photo de l'île entière, je le ferais et je le mettrais en fond d'écran. Non, c'est insane, en vrai, j'aime trop. Ben, du coup, on va se laisser ici, sur ma belle tête. J'ai pas de mots pour clôturer cette vidéo. Juste, j'ai adoré son île. Je pense pas qu'elle regardera la vidéo parce que je pensais qu'elle parlait anglais, mais en fait elle parle espagnol, apparemment. Donc si jamais Marina tu passes par là, que tu as mis les sous-titres, etc. Eh ben j'adore ton île et merci beaucoup de m'avoir laissé en faire le tour et de filmer tout ça. Je suis trop contente, vraiment. Franchement, j'ai pas les mots, cette île est incroyable. Et si vous voulez la visiter vous-même, je vous remettrai son code onirique à l'écran. Vraiment, je vous conseille de le faire parce que c'est une chose de regarder la vidéo de quelqu'un. Mais le visiter soi-même, c'est pas pareil. Genre, moi, je la suis sur Instagram, donc tous ces coins-là, je les avais déjà vus. Mais de le visiter,
c'est pas la même chose. Du coup, je vais vous laisser, à mon avis, avec 2-3 plans que je vais filmer en mode un peu plus joli, faire comme un petit clip de fin, etc. Ben, merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là, déjà, c'est très très cool. Je vous laisse mettre un commentaire, un petit like, pour me montrer que vous avez apprécié la vidéo, ou même un dislike si vous voulez me montrer que vous n'avez pas aimé la vidéo. Mais alors, à ce moment-là, ça m'intéresse de savoir pourquoi. Enfin bref, je vous laisse avec les petits clips, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye !